Et bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc une nouvelle vidéo pour cette semaine. Celle-ci c'est pour un cours, voilà, gym d'entretien, gym un petit peu douce. Comme la semaine dernière, on va prévoir un tapis et on va aussi prévoir une chaise. On va reprendre un peu des exercices qu'on a fait lors de la vidéo précédente. Voilà, je mets un petit peu de musique, on va commencer par un petit échauffement. Se met les pieds placés en parallèle à peu près la largeur de votre bassin. Vous relâchez bien les épaules, vous étirez bien le dos. Ok, on va monter le bras droit, on va inspirer et soufflez, replacez. Et encore une fois, inspirez et soufflez, relâchez. Et pour la troisième, inspirez et soufflez, relâchez. Et de l'autre côté, on inspire et on souffle, relâche. Encore une fois, inspirez et soufflez, relâchez. Et encore une fois, inspirez. On étire, on allonge bien, on commence à bien étirer à l'intérieur du ventre et on souffle, relâche. Et encore une fois, inspirez et soufflez, relâchez. Pour le troisième, inspirez. On va partir avec la tête qui va pencher vers sa droite. Et on revient. Vous penchez la tête à gauche. Et encore une fois, revenez. Relâchez la tête devant, pliez les genoux, enroulez votre haut du corps. On arrête la tête à peu près à la hauteur du nombril. Relâchez bien vos bras, laissez ouvrir entre chaque mandibule. Déroulez le dos jusqu'à l'extension complète de la tête. Étirez bien. Et revenez, on va faire des petits mouvements de tête devant. Et 1, et derrière, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On part à la tête devant. Pour un cercle à droite. Allez, articulez bien au niveau de votre nuque. Deuxième. Et on repart de l'autre côté. Cercle. Deuxième. Attrapez les mains, tirez vers le sol. Et montez. Et tirez bien. Allongez bien. Replacez les épaules et ouvrez les bras. Ok, on va partir avec les épaules qui vont gonfler. Inspirez, soufflez. 1. Inspirez, soufflez. 2. Et le 3. Et le 4. Et on part dans l'autre sens. On inspire, on souffle. 1. On inspire. 2. On inspire. 3. Et on ouvre les bras, on monte. Et on souffle, on revient. Et deuxième. 2. Allez, on
on essaie de bien tenir le dos. Donc, on commence à bien tenir la ceinture abdominale, on lâche pas. Inspirez, soufflez. 3 et 4 et 5 et 6 7 8 et on repart dans l'autre sens. Un cercle, inspirez et soufflez. 1 et ouvrez bien. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et on relâche la tête. On enroule cette fois-ci toute la colonne vertébrale. Abdominale, on étire bien le dos et on plie les genoux. 1, tendu, bien les genoux au-dessus de vos orteils. 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière. 1, inspire, souffle. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on remonte. Ok, la même chose, on ouvre les pieds un petit peu en dehors. Donc les orteils qui sont légèrement vers l'extérieur. Je tiens bien tout, j'étire bien. On refait les pliés. Attention, les genoux bien au-dessus des orteils. Et souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore plié, soufflez. 1, 2, 3. Allez, on tient bien le bassin. Et le 5, et 6, le 7, le 8, ok, on monte les bras, plie avec les mains sur les épaules, 1, allonge, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on revient. Allonge, refermez vos pieds en parallèle, fermez les coudes, partez en cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans l'autre sens, inspire et souffle, pour le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on revient, okay. On plie les genoux, on gagne bien le bassin, tenez bien la ceinture abdominale, on ferme les coudes 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ferme les poings, allonge les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lâchez pas les abdos. Encore. 1, soufflez bien. 2, 3, 4.
6, 7, 8 pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on revient. Ok, on ferme les coudes. On va faire la même chose, on allonge les bras devant. Essayez de bien tendre vos bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Soufflez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. On monte, toujours les poings bien fermés. Allongez les jambes, étirez bien. Et on plie avec les bras. Long du corps, allonge. Souffle. 3. Allez, on ne cambre pas. On tient toujours la ceinture abdominale et on allonge la colonne. Et pour le 6, le 7, le 8, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pour la dernière. 1, inspire, souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on revient. On ouvre, on relâche les mains. Ok, on va mettre les mains à sa taille. On étire bien et on va aller plier la jambe à droite. Ok, bien le poids du corps sur votre jambe. Sentez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse gauche. Revenez, soufflez, changez. Enfin, attention à ne pas partir avec son bassin. On reste bien centré. On pense toujours à l'étirement de sa colonne. Et encore une fois, on inspire et on souffle. Et reviens. Inspirez. Et revenez. Repartez genou droit. Montez le bras gauche. Et tirez sur le côté. Ok, on va faire 8 petits rebonds. Et 1, cambrez pas. Tenez bien. 5, 6, 7, encore une fois. 1, 2, allez, tirez toute la taille. 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient. On plie, jambe gauche. Montez bras droit, soufflez, étirez votre taille, allongez bien, faites attention surtout à ne pas cambrer, gardez bien l'alignement, tenez bien la ceinture abdominale et c'est parti pour les rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on revient. On souffle. Relâchez la tête. Enroulez la colonne vertébrale. Et si vous allez un petit peu plus loin, commencez à bien étirer. Étirez bien et pliez. Et 1, et revenez. 2, et 3, et 4, 5. Allez, bien les genoux alignés avec ses pieds. 6. Essayez de bien étirer au niveau du bas du dos. Et je repars pour une série. Soufflez. Allez, comme si on allait s'asseoir. 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 7, 8, et on revient. On relâche les bras. Ok, on va faire un peu les jambes. Alors, comme j'ai dit en début de cours, on va aller prendre sa chaise. Voilà. Donc, on commence. Sur un côté, vous positionnez bien votre chaise à côté de vous. Vous placez bien vos jambes en parallèle. Vous allez juste poser la main, d'accord? Donc, si jamais la chaise est un petit peu trop basse au niveau du dossier, vous mettez que le bout des doigts. Vous faites juste attention de ne pas vous retrouver complètement penché sur le côté. On essaie de rester bien droit. Alors, on peut mettre la main à la taille, ça aide un peu à tenir son équilibre. Ok, on va commencer par monter la jambe. Côté pied flex, refermé, côté refermé. On part pour 3 séries de 8. Et c'est parti. 1, 2, étirez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et referme. La même chose, on monte la jambe devant. Et 1, 2, pied flex et bien parallèle. 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je referme. Ok, la même chose derrière. Et 1, 2, pincez bien au niveau du fessier. 6, 7, 8. Toujours la jambe bien parallèle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu refermes. Ok, on va repartir. La jambe qui va, placée devant. Tu montes, genou, pose, genou, au niveau du talon. Ok, c'est parti. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on referme, on relâche. Ok, on va faire la même chose. On va placer la jambe en parallèle sur le côté. On étire bien et de là, on va ramener devant, côté, devant, côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On recommence. Soufflez. 2. Ça doit commencer à bien brûler au niveau de la jambe qui reste au sol. Hein, c'est normal. 4, 5, 6, 7, 8. Pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous reposez. Ok, relâchez un peu la jambe, décontractez, relâchez. 4, 5, 6, 7, 8 encore, relâchez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on juge. Ok, on va placer la chaise de l'autre côté. Allez, c'est parti. On va commencer par les battements pieds flex, bien en parallèle sur le côté. Et 1, 2, 3.
6, 7, 8, je referme. Et la même chose, la jambe devant tendue. 1, pensez à toujours bien vous grandir. Et n'oubliez pas de bien respirer. Le 7, le 8 encore. 1, 2, 3, c'est pas opposé le talon. 6, 7, la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, referme, on y va sur derrière, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repose. Ok, on va partir avec la série du genou. Pied flex devant qui plie et qui repose. Ok, plus ça va brûler, plus essayez. Je sais que c'est pas facile, mais de vous repousser avec la jambe dans le sol. Plus vous allez vous grandir, plus ça va alléger, plus ça va soulager un peu. On y va. Allez, pied flex devant et monte, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour la dernière, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je relâche, et pour le dernier, les cercles de devant à côté et je reviens. Allez, c'est parti. Et on va. 1, reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, allez, on tire bien. 6, 7, 8, c'est parti pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je peux relâcher, décontracter. Allez, relâche un peu les jambes. Ok, allez. On va faire un dernier exercice avec la chaise. Tout simplement, essayez de vous placer sur le rond. Ok, les jambes bien en parallèle. On étire bien. Ok, on va juste faire. Monte. Et tu te rassois. D'accord. Juste ça. Ok. Donc on fait attention d'être plutôt sur le rebord que sur le fond de la chaise. Par contre, faites attention. Si vous êtes trop sur le rebord, ne pas tomber. Ce qu'il faut, c'est que votre assise de pied bien en parallèle, dos bien droit, tout ça, ça ne bouge pas. On travaille bien au niveau des cuisses et des adducteurs. C'est parti. 5, 6, 7, 8, montez. 1, et va te rasseoir. 2, vous pouvez vous aider des mains. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, c'est reparti. Rapprochez un peu les pieds si c'est un peu bougé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on revient, on souffle un peu, on va refaire une dernière série, on rajoute un petit peu les bras. Donc en fait, quand on s'assoit, on positionne les mains pour bien se stabiliser, quand vous allez remonter, bras devant, et tac, allez c'est parti, 1, 2, 3,
10, 7, 8, et on souffle pour une dernière. Allez, courage. 1, ralentissez un peu le rythme si c'est trop rapide. 2, 3, allez, soufflez bien. 4, allez, les 4 derniers. 5, 6, 7, 8, et on peut relâcher. Ok. Bien, on souffle. On peut mettre la chaise sur le côté, on a terminé avec elle. Et je vais vous laisser vous positionner sur votre tapis. N'hésitez pas à voir si vous avez besoin de voir. Avec les fessiers sur les côtés. Donc on va se positionner sur ce tapis, allongé sur le côté. Alors, vous essayez de bien vous étirer sur votre bras. La jambe qui est sous vous, vous pouvez la plier pour avoir un appui un peu plus facile. On va travailler avec la jambe qui est tendue, d'accord? Au niveau de la main au choix, celle pour ceux et celles qui aura un bon équilibre, vous pouvez la placer sur le dos de cuisse. Donc vous la placez devant, d'accord? Ok, on va commencer par monter la jambe 8 fois. 1, 2, 3, soufflez. 4, 5, 6, 7, 8, et encore. Soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste. Ok, sans baisser la hauteur de la jambe, petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, courage, la dernière. Je sais que ça doit brûler, on tient bon. 3, soufflez bien. 4, 5. 6, 7, 8, et je reviens. J'attrape mon genou, je presse contre moi. Je peux le poser au sol. Je relâche un peu. Ok, on va faire un petit quart de tour. Et on va se positionner sur son dos. Ma jambe qui a travaillé, j'attrape et je presse le genou contre moi. Bras le long du corps, pieds flex, allongez la jambe, placez bien en parallèle, tirez bien. Si on ne peut pas aller jusqu'à l'extension complète, on garde le genou légèrement fléchi. Par contre, on essaie d'avoir vraiment le bassin positionné au sol. Ok, on va pédaler avec cette jambe. On va redescendre, replier, allonger et souffler. Allonge, descends. Si je peux, je ne la repose pas. Et je tiens mon ventre. 4, 5, 6, 7, 8, et encore, souffle. 1, 2, 3.
basculer sur le côté, on va revenir et on va aller changer de sens. Donc on commence par le côté. Je m'allonge. La jambe qui est dessous, je l'appuie pour avoir un meilleur appui. J'allonge celle du dessous. Je tiens bien, j'étire bien, j'essaye d'être bien alignée. Tenez bien votre taille, vos abdos. Allez, c'est parti. Inspirez, soufflez, montez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste, bloquez bien, et on va partir en serre. 1, allez, c'est pas baisser la hauteur, 2, soufflez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez on lâche pas, c'est parti encore, 1, 2, 3, pense à bien souffler, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on relâche, on attrape le genou, on décontracte un peu. Et petit quart de tour pour passer sur le dos. Je garde ma jambe qui a travaillé sous moi. J'attrape, je presse. Et on place les bras le long du corps, on flexe le pied. On essaye d'allonger sa jambe, on étire bien, on place bien. On tient toujours bien le ventre et on va repartir en pied. 1, allonge et remonte. 2, soufflez bien. 3, 4, 5. Thank you.
fait attention à ne pas soulever le bassin. 8. Et c'est reparti. Soufflez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On reste. Allez, on essaie d'aller le plus loin possible. Et on va ouvrir les jambes en mouvement de ciseaux. Lâchez pas le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Replie. Attrapez un peu les genoux. Pressez contre vous. Relâchez. Soufflez. On replace. Alors maintenant, au lieu d'allonger les deux jambes en même temps, on y va l'une après l'autre. Et 3, change gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ramène les deux jambes tendues et maintenant vous ouvrez, vous croisez une jambe bien au niveau des adducteurs, pas au niveau des genoux. Vous ouvrez et vous recroisez l'autre. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu reviens, tu replies. Attrapez les genoux et soufflez pressé. Et encore une fois, on inspire. Et on souffle, on presse. On essaie de bien sentir l'étirement de la colonne sur son tapis. Soufflez en roulant.
Allongez bien. Posez les mains au sol et juste faites un petit mouvement de tête. Certainement à une prochaine vidéo. Allez, très bonne fin de journée!